Il sera érigé au rond-point Germaine Pemba, ex-rond-point 31 juillet, une stèle en l'honneur du soldat de la paix dont la philosophie consiste à immortaliser la mémoire de tous ceux qui ont servi la République avec dévouement et sacrifié leur vie sur le champ de bataille pour la défendre absolument. À l'ordre du jour de cette cérémonie de pose de la première pierre des travaux de réhabilitation et de modernisation du rond-point Germaine Pemba, deux allocutions ont été prononcées, notamment le mot de circonstance du général de brigade Jean Olesongo Ondaï, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, qui a exprimé sa reconnaissance pour cette marque d'estime à l'endroit du soldat. Ces défenseurs de la paix et de la tranquillité sont ainsi convaincus que leurs âmes seront désormais honorées, que leur courage et leur patriotisme seront sublimés ici, au centre de notre capitale économique, qui deviendra sous peu un lieu du souvenir à la mémoire de tous nos frères d'armes tombés au champ d'honneur. En creusant dans la sagesse vilie, j'ai eu l'occasion d'apprendre qu'un oiseau qui passe la nuit sur une branche d'arbre, en s'envolant le matin, laisse toujours une de ses plus belles plumes pour marquer son passage. Quand la pluie aura effacé nos pas, la grande cité Ponténégrine se souviendra qu'en 2019, il y avait un député maire et un commandant de zone qui avaient osé et qui avaient fait. Puis il s'est ensuivi l'allocution du président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando. Cette cérémonie qui rentre bien dans le cadre de la politique de modernisation de nos infrastructures, contenue dans mon programme de développement 2017-2022, obéit aussi à un souci majeur, celui de mettre à la disposition de la zone militaire de défense numéro 1 un lieu de référence pour symboliser le devoir de mémoire, à savoir la profonde pensée à notre soldat de la paix en érigeant un monument. De suite, le rituel de la pose de la première pierre par le député maire et le général, accompagné de quelques autorités locales. Cette cérémonie relative au 58e anniversaire des forces armées congolaises a été bouclée ce jour par la clôture des activités sportives, dont la rencontre finale de football opposait le groupement Trois Martyrs et la police. Dans le quart d'heure de cette première partie du match, le groupement Trois Martyrs menait au score 2-0.